Je suis un peu plus de temps.
favori tu mi ami. Des mots qui me viennent à l'esprit avant de
passer le micro à mon frère et pasteur Henri. Nous sommes, la famille elle est nombreuse bien sûr, mais nous sommes éparpillés. Quand la nouvelle est tombée, c'était d'abord l'église, puis la communauté congolaise en particulier, puis toute la communauté africaine aussi. Donc, mon frère va donner la suite des événements, mais moi j'ai tenu vraiment au nom de notre famille, de mon grand frère qui est là, mais au nom de notre famille, de dire du fond de nos cœurs un grand merci. Un grand merci de cette assistance. Donc, comme ça a été aussi prêché, vous avez témoigné à notre petite sœur un grand amour. Et à cela que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, je passe le micro au pasteur Henri. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. On est toujours rendant grâce à Dieu en toutes choses. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et je sais une chose, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Encourageons-nous. Et cela donnera la force à chacun de nous. Voilà, aujourd'hui, nous ne resterons pas longtemps dans ce lieu, étant donné que demain, nous avons l'inhumation. Alors, on nous a dit que tout doit s'arrêter à midi. À midi, si on n'a pas fini, ils s'en vont, ils ne peuvent rien faire. Parce que, d'après les ordres qu'ils ont reçus de la mairie, à partir de 12h, les samedis, ils ne peuvent plus rien faire. Il n'y a pas d'enterrement. Alors, c'est ce... Le corps qui sera présenté à la chapelle, suivi d'un programme mortuaire, de 9h à 10h30. Nous tenons que l'heure soit respectée de manière à ce que nous puissions aussi respecter ces personnes qui vont faire leur travail pour l'inhumation. Et lorsque nous finissons à 10h, l'entrée, ils viendront avec le cercueil en les sortant de la chapelle pour amener à l'endroit où se passera l'inhumation à partir de 11h. Et ça leur donne le temps de faire le reste. Et ça nous donne aussi le temps de pouvoir écouter et laisser la famille aussi s'exprimer pour la séparation. Et après le cimetière, nous reviendrons et pour aussi le remerciement encore de cette famille. Pour vous donner, peut-être qu'il y aurait des personnes demain qui ne seront pas là. J'ai tenu à ouvrir mon cœur un peu, à parler à notre communauté. Lorsque la tristesse s'abat dans une famille, lorsque la mort frappe une famille, je ne pense pas que nous venons, le qu'on touche notre cœur, c'est le fait que nous avons entendu une mère qui a perdu son enfant, et la compassion touche notre cœur, qu'une famille vient de perdre un être cher, nous venons combattir. À l'heure actuelle, je le répète, supposé, par rapport à la mort de l'enfant, exactement, personne ne sait ce qui s'est passé en fait. Dans
retrouvé par terre dans ce stand. Dans le stand, il y a des fois, lorsqu'on apprend à tirer, il y a toujours une personne qui vous apprend à tirer. Le procureur se demande, la personne était où, qu'est-ce qui s'est passé, c'est tout cela. Il y a des enquêtes qui sont en train de se faire. Et il est allé à Istanbul parce qu'il a vu ses amis y aller. Ses amis sont allés et quand il les a vus, ils ont posté ça. Ça lui a donné aussi envie d'y aller pour faire comme ses amis. Alors, toutes ces choses-là ne sont que des détails qui n'ont rien à voir pour exprimer notre gratitude ou notre amour pour la famille. Ce qui importe, c'est qu'ils ont perdu un être cher, que Siska a perdu son fils. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour chercher les détails, c'est passé ceci, c'est passé cela. Lorsque nous posons un acte bien, lorsque nous venons pour accompagner quelqu'un, il faudrait que les traces restent de ce que nous avons fait. Notre bonne foi, notre pitié, peut-être notre contribution, mais il ne faut pas que derrière la même personne entende ce que vous dites qui n'est pas vrai et qui touche encore le cœur. Ça se fait que cela annule complètement tout ce que vous avez posé comme bon acte ou bon acte. Donc, quelque part, un acte posé doit être réfléchi et gardé comme étant quelque chose de bien. Alors, dans ce cas-là, évitons des polémiques parce qu'il y a vraiment la souffrance. Moi, j'ai accompagné la famille dans toutes les démarches. J'ai vu comment il y a la souffrance dans le cœur de Prisca. Moi aussi, je souffre parce que j'ai vu cet enfant la naître. La personne qui a amené Prisca à Lyon, c'est moi. Et j'ai vu cet enfant naître. La personne qui a fait la déclaration à la mairie de la naissance de cet enfant, c'est moi. Et dommage aussi que je sois aussi la personne qui vient aussi pour faire la déclaration pour sa mort. Il y a une souffrance. Respectons les familles. Respectons Prisca. Gardons ce qui est bien. Et faisons aussi, surtout, ce qui est bien. Voilà ce que je voulais vous dire, venant de mon cœur, pour que nous puissions être cette communauté réelle, honnête, juste, et qui vivons avec une paix totale, les uns avec les autres. Donc, je vous donne, entre-temps, pour ceux qui veulent noter, qui ne connaissent pas le cimetière, c'est le cimetière de l'ancien cimetière de Villeurbanne. Pour ceux qui veulent noter, c'est 15 rues du cimetière. Il y a, vers Laurent Bonneveille, il y a le Mardo. Vous voyez le Mardo qui est là. C'est tout juste à gauche du Mardo. Au point, il y a la salle mortuaire. C'est là où il y a la chapelle. Et après, quelques mètres, il y a le cimetière où nous allons faire l'inhumation. L'adresse est là, vous en avez besoin, demandez au pasteur, demandez à la famille, vous en aurez. Et nous croyons que demain, nous serons là, nous ferons des efforts, bien que ce soit matinal, pour pouvoir accompagner Prisca dans sa douleur, et puis accompagner le jeune Francis à sa dernière demain. Que Dieu vous bénisse, et demain, nous nous reverrons pour aider la famille. Merci. Amen. Comme je disais, si tu avais amené quelque chose pour contribuer toujours, ça fait du bien. On va chanter et puis nous avançons pour mettre quelque chose dans le panier. Mais si tu ne veux pas ici, tu veux mettre ton nom dans,
dans la liste où on écrit là, tu peux me voir et puis ça fera toujours les bons. Oh.
Mandina te
Notre Dieu n'échoue jamais.
comme disait l'homme de Dieu, la vie, elle est incertaine, mais la mort est certaine. Et tu veux ou que tu ne veux pas, tu finiras par le passer. Éternel Dieu, je m'associe à toutes les prières qui viennent de monter vers toi. Il est écrit, il est plus avantagé que je m'en parle. Si je ne pars pas, vous ne l'aurez pas. Quand je m'en irai, je prierai le Père pour qu'il puisse vous envoyer les consolations. Le Saint-Esprit qui sera toujours avec vous. Cher Saint-Esprit, c'est toi que nous aimons. C'est toi que nous appelons et que nous interpellons. Nous t'invitons à te poser sur cette famille. En particulier sur la maman. Oui, ça ne sera pas facile. Car la séparation est toujours mauvaise. Mais toi, tu seras là. Nous, nous allons partir. Demain, ça sera les obsèques. Après, il n'y aura plus personne. Mais c'est toi qui seras là. C'est côté à leur côté. Leur consommation. Manifeste-toi. Nous tenons autorité sur tout esprit de tristesse. Tout esprit de mélancolie, tout esprit de cauchemar, tout esprit de l'au-delà, tout esprit de mort, tout esprit de rêves négatifs. Que ton sang couvre cette famille et leur maison, Jésus. Qu'ils aient toujours un sommeil délicat. Que rien ne vienne troubler leur nuit. Car tu seras toujours avec nous. Manifeste-toi, glorifie-toi. Merci pour tout. Ce que tu as déjà commencé depuis, on a réussi cette nouvelle jusqu'à maintenant et après. Que la gloire te revienne. Si tu es d'accord, dis Amen. Je vous bénisse. Il a les communiqués à donner. Et après ça, j'ai la liste des cotisations. Si tu as quelque chose, venez me voir. Cotisation. Et on va mettre aussi les offrandes. Bon, je donne le micro à Pasteur Alex, c'est le grand frère de Maman Prisca. Amen. Les mots qui me viennent à l'esprit avant de passer le micro à mon frère et pasteur Henri. Nous sommes, la famille elle est nombreuse bien sûr, mais nous sommes éparpillés. Quand la nouvelle est tombée, c'était d'abord l'église, puis la communauté congolaise en particulier, puis toute la communauté africaine aussi. Donc, mon frère va donner la suite de ce événement, mais moi j'ai tenu vraiment au nom de notre famille, de mon grand frère qui est là, mais au nom de notre famille, de dire du fond de nos cœurs un grand merci. Un grand merci de cette assistance. Donc, comme ça a été aussi prêché, vous avez témoigné à notre petite sœur un grand amour. Et à cela que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, je passe le micro au pasteur. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
toutes choses. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et je sais une chose, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Encourageons-nous. Et cela donnera la force à chacun de nous. Voilà, aujourd'hui, nous ne resterons pas longtemps dans ce lieu, étant donné que demain, nous avons l'inhumation. Alors, on nous a dit que tout doit s'arrêter à midi. À midi, si on n'a pas fini, ils s'en vont, ils ne peuvent rien faire. Parce que, d'après les ordres qu'ils ont reçus de la mairie, à partir de 12h, les samedis, ils ne peuvent plus rien faire. Il n'y a pas d'enterrement. Alors, c'est ce... le corps qui sera présenté à la chapelle, suivi d'un programme mortuaire, de 9h à 10h30. Nous tenons que l'heure soit respectée de manière à ce que nous puissions aussi respecter ces personnes qui vont faire leur travail pour l'inhumation. Et lorsque nous finissons à 10h d'entrée, ils viendront avec le cercueil en les sortant de la chapelle pour amener à l'endroit où se passera l'inhumation à partir de 11h. Et ça leur donne le temps de faire le reste. Et ça nous donne aussi le temps de pouvoir écouter et laisser la famille aussi s'exprimer pour la séparation. Et après le cimetière, nous reviendrons et pour aussi le remerciement encore de cette famille. Pour vous donner, peut-être qu'il y aurait des personnes demain, qui ne seront pas là. J'ai tenu à ouvrir mon cœur un peu, à parler à notre communauté. Lorsque la tristesse s'abat dans une famille, lorsque la mort frappe une famille, je ne pense pas que nous venons. Le consolation touche notre cœur, c'est le fait que nous avons entendu une mère qui a perdu son enfant, et la compassion touche notre cœur, qu'une famille vient de perdre un être cher, nous venons compatir. En fait. À l'heure actuelle, je le répète, supposé, par rapport à la mort de l'enfant. Exactement, personne ne sait ce qui s'est passé en fait. Dans retrouvé par terre dans ce stand, il y a des fois, lorsqu'on apprend à tirer, il y a toujours une personne qui vous apprend à tirer. Le procureur se demande, la personne était où, qu'est-ce qui s'est passé, c'est tout cela. Il y a des enquêtes qui sont en train de se faire. Et il est allé à Istanbul parce qu'il a vu ses amis y aller. Ses amis sont allés et quand il les a vus, ils ont posté ça. Ça lui a donné aussi envie d'y aller pour faire comme ses amis. Alors, toutes ces choses-là ne sont que des détails qui n'ont rien à voir pour exprimer notre gratitude ou notre amour pour la famille. Ce qui importe, c'est qu'ils ont perdu un être cher que Siska a perdu son fils. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour chercher les détails, c'est passé ceci, c'est passé cela. Lorsque nous posons un acte bien, lorsque nous venons pour accompagner quelqu'un, il faudrait que les traces
reste de ce que nous avons fait. Notre bonne foi, notre pitié, peut-être notre contribution. Mais il ne faut pas que derrière la même personne entende ce que vous dites qui n'est pas vrai et qui touche encore le cœur. Ça se fait que cela annule complètement tout ce que vous avez posé comme bon acte ou bon acte. Donc, quelque part, un acte posé doit être réfléchi et gardé comme étant quelque chose de bien. Alors, dans ce cas-là, évitons les polémiques parce qu'il y a vraiment la souffrance. Moi, j'ai accompagné la famille dans toutes les démarches. J'ai vu comment il y a la souffrance dans le cœur de Prisca. Moi aussi, je souffre parce que j'ai vu cet enfant-là naître. La personne qui a amené Prisca à Lyon, c'est moi. Et j'ai vu cet enfant naître. La personne qui a fait la déclaration à la mairie de la naissance de cet enfant, c'est moi. Et dommage aussi que je sois aussi la personne qui vient aussi pour faire la déclaration pour sa mort. Il y a une souffrance. Respectons les familles. Respectons Prisca. Gardons ce qui est bien. Et faisons aussi, surtout, ce qui est bien. Voilà ce que je voulais vous dire, venant de mon cœur, pour que nous puissions être cette communauté réelle, honnête, juste, et qui vivons avec une paix totale, les uns avec les autres. Donc, je vous donne, entre-temps, pour ceux qui veulent noter, qui ne connaissent pas le cimetière, c'est le cimetière de l'ancien cimetière de Villeurbanne. Pour ceux qui veulent noter, c'est 15 rues du cimetière. Il y a, vers Laurent Bonneveille, il y a le McDo. Vous voyez le McDo qui est là. C'est tout juste à gauche du McDo. Au coin, il y a la salle mortuaire. C'est là où il y a la chapelle. Et après, quelques mètres, il y a le cimetière où nous allons faire l'inhumation. L'adresse est là, vous en avez besoin, demandez au pasteur, demandez à la famille, vous en aurez. Et nous croyons que demain, nous serons là, nous ferons des efforts, bien que ce soit matinal, pour pouvoir accompagner Prisca dans sa douleur, et puis accompagner le jeune Francis à sa dernière demeure. Que Dieu vous bénisse, et demain, nous nous reverrons pour aider la famille. Merci. Amen. Comme je disais, si tu avais amené quelque chose pour contribuer toujours, ça fait du bien. On va chanter et puis nous avançons pour mettre quelque chose dans le panier. Mais si tu veux pas ici, tu veux mettre ton nom dans la liste et où on écrit là, tu peux me voir et puis ça fera toujours du bien. Papa, non.
Bagat, bagat. Oh, ini dia.